Salutations YouTube. On va se faire un petit K1 qui maintenant... Ah, le paperclip. C'est parti. Merci à Saru Maru encore pour les 1000 bitcoins. Et non, c'est pas une game bétanie, c'est une game K1. Ah oui, avec les malédictions de ces morts. Burning Basement. Oh là là, oh là là. Ah non, il faut se remettre dans le jeu. Faut se remettre dans ce mood de... ça va être de la souffrance. Parce que là, on a eu un run extraordinaire avec le Blue Baby. Mais là, c'est retour aux affaires, hein. C'est quoi ce... C'est quoi ce truc en dessous de la map, là? Ah, c'est le curse? Curse of the Unknown? Parce que je vois que j'ai mon luck foot, même. Ok, 5 bombes, et maintenant les bombes pourront avoir des objets quand elles explosent, mais c'est pas ce qu'on appelle un starter, ça. Ensuite, Kane a... Il a 4-20 de dégâts. 420 PogChamp. Il commence avec des stats corrects, hein. Ça n'est pas le problème. J'ai vu qu'il avait 5, mais il avait même mieux que ça. Ou c'est la bombe qui avait l'autre. Ok, donc nice. On prendra le cœur bleu après le boss. Oh là là, c'est relou. C'est relou, c'est relou, c'est relou. Ah oui, bah oui, parce qu'en plus ils sont énervés. Ouais, je suis vraiment le roi des cons. Le roi des cons. Oh, il est piégé. Et ça se trouve, je suis déjà un cœur vu que c'est un ennemi d'élite. Donc, prudence. Bon, Duke of Life, c'est gratuit. On a un bon objet là. Je call un cintre ou un martifouette. Un Magic Mushroom. Oh la dingue. Imaginez. Je crois qu'on en a pas eu depuis qu'on a lancé cette sauvegarde. Ça va être un HP up. C'est vrai que ça a de grandes chances d'être un HP up. Quoi déjà cette chiasse? Tierce plus shot speed up. Ouais. J'ai vraiment une range atroce. J'ai oublié qu'il y avait une range pourrie. J'ai une range incroyable. Vas-y. Pas fou, hein. Merci Crystalia et Doskasan pour les primes. Merci beaucoup. Eh ben, on s'emmerde, hein, globalement. Ah, Reburning Basement, Curse of the Maze. Le plaisir est total. Trois clés, on va y aller, hein, je pense. Ça va. C'est de la merde, mais... J'aurais pu m'énerver beaucoup plus. Au moins, je me suis fait rembourser. Même mieux. Bon, ça aurait pu être une dinguerie, cette salle. Hein. C'est quand même dégueulasse, tiens. Alors, ça donne envie de balancer de la bombe là-dedans. Hein. Je vais pas vous le cacher. Alors, pas comme ça. C'était pas ce que je voulais faire. Je
Je suis une merde. Ah oui, en plus, c'est un ennemi. Ah ouais, j'ai pris le cœur direct, le cœur entier. Bah, j'aurais bien. J'avais pas vu la mouche invisible de ses morts. Ok. C'était imperdable, si j'avais bien balancé. D7. C'est quoi? C'est rouler les ennemis? C'est de la merde, je sais pas, on s'en fout. C'est reroll les rocks? Non, enfin c'est un truc nul à chier. Non mais comment j'ai pu me faire toucher par les mouches à merde? Oh non mais oh, je vais perdre le Devil Deal, c'est pas possible, putain. Catastrophe. Il nous faut Steam Sale. Sympa la TP. Sur moi, c'est gratuit, mais... j'ai mal à la gorge. Est-ce que j'aurais avalé un os? Peut-être pour ça qu'il faut mâcher. Et peut-être quand on mâche pas, on avale des os. Oui, ça me remet les ennemis. Ah, mais ça me revient! C'est si on veut double récompense. Mais est-ce qu'on a la même récompense? C'est random. Ah, en vrai... Oh, cool! En vrai, c'est ok, parce que si tu trouves une salle facile à faire et que tu veux c'est du farming, c'est pour le farming. Ça me parle. Là, j'ai pas forcément envie de me retaper les mouches par contre. Hein. Ah, la TP de ciment. Oui! Bravo le veau voté! Du Fortnite au programme, toujours. C'est juste là le jeu image. Pourquoi la mage est très longue là aujourd'hui? Les boss sont farmables? Non, je pense pas que ça marche sur les boss. Ah bon? Quarante-six pour cent, c'est 100%. En vrai. Oula, j'ai pas la reroll celle-là, je pense. Oh, quoique. Est-ce qu'ils étaient enflammés dès le début? Ça se trouve, j'enlève les flammes, je reroll et c'est des sbires. Coup dur. Vision Pro, très bonne carte, hein, by the way. Ah oui, non, il y a peu de chances qu'il y ait un truc là. Mais bon, on sait jamais. J'ai pas deux items si je reroll le boss. En fait, je me suis posé cette question. Ça se trouve, oui, ça marchait. Ça me semblerait bizarre, hein. Ça rendrait l'objet intensément fort. Il a jamais été considéré fort cet objet, donc ça me paraît bizarre.
Pour moi, c'est non. Ouf. La belle prise. Ah non, ça marche pas. T'entends les cartes, non? Ah wow. Batterie pour la science. Non. Et sûr que ça marche pas. La mouche magique. Il faut pas que je me fasse toucher. Sinon je passerai de 46%. Voilà, c'est mort. De 46% à 1. Elle m'a pas fait sa grosse danse. Oh. Elle m'a pas fait le rush. Ah. Nice. Vas-y, je prends les cartes. En même temps, c'est quasi sûr que je garde des empereurs. Allez hop, je bois la machine dedans, je passe à deux de luck. J'en ai rien à foutre. Moi, si j'étais vraiment, si j'avais vraiment que ça à foutre, je prendrais le cœur là, j'irais à la sacrifice room et je prendrais deux hits. Mais non. Qui agit sur quoi? Sur les larmes spéciales, le taux d'apparition des larmes spéciales. Et sur pas mal de drops, d'objets de manière générale sur les drops. Et on refarme. Quel plaisir! Quel plaisir de pouvoir rendre notre salle deux fois plus longue. Rendre notre run deux fois plus long grâce au D7. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une heure, cette partie intolérable fera deux heures. J'aurais pu me barrer en fait parce que c'était sous timer. Ok. Et le drop était déjà arrivé du coup, le drop de la deuxième fois. Chiant. Ouais. J'ai bien avancé. Sur l'extension, pas vraiment. À chaque fois, je me fais baiser ici. Hein. Incroyable, je déteste cette salle. C'est officiel. Hein. Ah non, pas vraiment, parce qu'on recommence de rien, donc avant d'avoir accès au stuff late game, il y a beaucoup de choses à faire, hein, faut pas l'oublier, il y a terminer avec tous les persos, à peu près tous les boss, mais d'abord les débloquer, remplir les machines, faire du grid,
C'est un coach, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe si je reroll une mise là? C'est nul tiers. Parce que les drops, ils respawnent pas. Donc j'aurais juste à refaire des fights et avoir un drop naze à la fin. Probablement. Vite, avant que ça vomisse du sang, là. Urgh. Là, faut bien les toucher au bidou, sinon il se passe ça. C'est pas bien de tuer la tête en premier. Alright. Voilà, est-ce que je reroll les mouches vertes? Mon ennemi juré? Putain! Non. Je déteste les mouches vertes, hein, c'est officiel. C'est un cauchemar. Mais la vitesse des tirs en hard. Ouh. C'est notre premier Tech X. Youhou. Let's go! Ah, nouvel effet sonore satisfaisant. Ah mais zut, j'ai gagné du shot speed. J'ai gagné du shot speed avec le précédent buff. C'est nul shot speed avec Tech X. Faut pas du shot X et du shot speed. Plus ça traverse lentement, plus on est content. Ah, j'ai trop de shot speed, c'est terrible. Ah oui. En effet, ça a l'air d'avoir été bien nerfé, hein. J'ai pas l'impression de ressentir autant de puissance. Ah, il faut que je spam. J'ai spamé avec les face buttons, c'est plus simple. Non mais c'est même plus un nerf, là. What the fuck? Faut quand même en balancer des Migros, sinon c'est trop anecdotique. Ah mais j'ai le paperclip, mais j'ai aucun coffre doré. Ah si, j'en ai eu la challenge room, c'est vrai. C'est un 100% devil deal, hein, de toute façon, ici. Superbe. Un boss très intelligent. Je peux pas prendre les deux, hein, vu que maintenant c'est nerfé et que quand si je prends le bouquin, l'autre il va passer en un cœur rouge et trois cœurs bleus. Un cœur rouge et deux cœurs bleus. Le book est cool parce que c'est des ressources régulières. Ensuite, évidemment, vol. En fait, le problème, c'est que spectral, on s'en fout. Parce que maintenant, on est spectral. Le vol, c'est toujours très fort. J'ai déjà des ressources, c'est vrai. Ensuite, c'est vrai que j'ai des clés à récupérer avec le vol. Le vol, on récupère plein de trucs. Je pense que je vais prendre le bouquin. Ne serait-ce que pour énerver les gens. C'est important. Ok.
Alors. Formidable, Bozo le clown. On a de l'argent ici. Là, il y a 10 balles, hein. Il y a 6 balles. C'est déjà cool. Ok. Super secret. Mais j'ai déjà eu. Bah non. Ah d'accord, elle était en bas à gauche aussi, mais je l'ai pas capté. Idiot. Fanny pack, c'est quand je me fais toucher, ça balance des objets divers, hein, c'est ça? Que j'ai glitter bon aussi, why not. Pour la collecte. Ouais, TechX est peut-être nerfé, mais en effet, ouais, selon les synergies, ça se trouve, il y aura des trucs bien avec à faire quand même. Et 600 balles à la machine. Eh ouais, hein, j'ai mis de l'argent dans la machine. J'ai été studieux. Oh, j'ai envie de prendre la watch batterie. J'ai 10 clés et j'ai l'impression qu'on se fait arnaquer. J'ai trouvé que 2 coffres dorés dans tout le run. C'est comment watch batterie déjà? C'est un peu automatique, non? Ça charge quand je suis dans une salle d'ennemis. Peut-être si j'y traîne un certain moment, je sais plus. C'est des petits tics. Si vous vous souvenez, n'hésitez pas. Hein. Comment elle marche la petite pile à montre? La pile ronde, la pile plate. On sait pas. Mais là vous pouvez. Oh Choubdaoup, rendez-moi Bethany. Finalement je veux bien jouer Bethany si j'ai Choubdaoup. C'était incroyable. Ah c'est juste des chances de loot de batterie. Bon ça me va aussi hein. Puis j'ai 3 de luck. On mérite hein. J'ai 4 de luck. C'est vrai que mon Tech-X fait bien pitié là. Et en plus j'ai trop de shot speed là. N'hésitez pas, je suis un professionnel. Merde, c'est con ça. Ne vous inquiétez pas. S'ennuie un peu, hein. C'est vrai que tout est en sol. I play Pokémon Go. Every day, I play Pokémon Go. Hmm.
pas sûr. Je l'ai déjà pris, donc on l'a dans la collecte. C'est vrai que c'est rigolo, hein, mais c'est tout de suite le bordel à l'écran. Ensuite, c'est fort, hein, notamment via le... le vagin portatif, hein, comme on avait dit. Et un rocher marqué. Vu, vu. Ok. Ah ! Maintenant que j'en ai besoin, évidemment. Mon paperclip. The moon. Excellent. Ok. Ah, c'est bizarre, la petite batterie en bas, elle est encore là. J'étais persuadé de l'avoir prise. Hein. Très bien. Attendez. Regardez bien. Mais non, mais... c'est pas ça que je voulais faire à la base, c'était ça. Pour ensuite utiliser... ah bon, bon c'est pas grave. Parfait. Très bien. Maintenant que j'ai eu ce que je voulais, on peut continuer. Je suis dégoûté. Ok. Ah voilà, c'est bon. Faut t'avouer, faut te pardonner. Oh oui, 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 Fallen. Oh, y'a moyen de moyenner. Et TechX Brimstone, ça donne quoi alors? Ça a peut-être été buff, ça. Parce que là, j'avoue... hein, pas la dingue, quoi. Pas défoncer le marchand, j'aurais plus de chance. Hmm. Bon, est-ce que je joue à Pokémon Go tous les jours? Allez. 650. Ah, mais c'est à 666 que je vais débloquer un truc, c'est sûr! Petit Depths One, Curse of the Maze, on s'emmerde, hein. Malédiction à chaque étage sur ce mode hard de repentance, c'est un plaisir. C'est en bas, hein. C'est à droite. Partout. Les super secrets. Je sais pas pourquoi j'ai tellement cru, j'avais un feeling. Nul. Nul, 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 nul. Hey!
Hey, pas nul. Hey, pas mal. Bon, j'ai assez de bombes, j'ai pas utilisé l'allumette, je pense. Quoique c'est bien d'avoir des bombes pour moi, dans mon cas, vu que les glitter bombs, elles me filent des trucs, des fois. Bon, non. Vu que maintenant j'ai 32 bombes. Merci. Tout ça pour moi ? Sexy pour moi ? C'est quoi sexy pour moi ? Tribal King ? Oh le 1 plus 1 ! Oh le 1 plus 1 ! Incroyable ! Quoi ? Non, c'est tragédie, sexy pour moi. Exact. Ah ça c'est du plaisir ça. 1 plus 1 c'est toujours un grand moment de gaming. Donc tous les drops maintenant seront des doubles drops. Comme ceci, voilà. Hop là. C'est pas une pièce, c'est deux. Un plus 1 égale 11, tout à fait. Comme le disait Jean-Claude Van Damme. Ah non, lui c'était 1 plus 1 égale 1. Eh oui. Parce qu'il y a Dieu, il y a Jean-Claude. Unis dans le même corps, et ensemble on peut faire des miracles. Pourquoi j'ai fait ça ? On la foutre. Superbe. Oh là là. Attends, mais j'étais pas censé jouer à Pokémon Go tous les jours ? Pourquoi j'ai pas de familier qui est apparu ? Ça là. Ah. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel et diagonal. Même pas besoin de faire diagonal. Quelle déception. Ah, et pour ce qui est de... Pour ce qui est de déplacer des objets grâce à des bombes, c'est un de mes passe-temps favoris. Incroyable. J'ai pas trouvé ma salle d'objets, c'est quand même triste. C'est triste tout net. Ah oui, faut que je mette de l'argent dans le shop. Qu'est-ce que c'est? Ah ça y est, regardez. Une grosse chauve-souris. Enfin un copain. Bravo. Mais qu'est-ce qui... Il est en train de prendre la max, mais elle se putain... Voilà, moult batterie. Voilà, mais je ne vole pas. Hein. Refuser de prendre le vol. Prendre ce bouquin qui est assez décevant, je dois bien l'avouer. Le meilleur souvenir du Book of Sin. Hein. Bon, pour la collecte. Pour la collecte, hein. Ce Tekix, il pue un peu le sexe quand même, hein. Galère à tuer les Little Ants et je me suis fait toucher, c'est terrible. Ah. Remboursé. Ça peut être à droite, ça peut être... non, pas du tout. Mais j'ai déjà trouvé la secret, c'est la super secret, j'ai pas trouvé. Bon bah c'est pas fou, hein. Ah. Ah oui.
C'est quoi le cochon? Alors attendez, c'est quoi la tirelire? C'est quand on se fait toucher, c'est du pognon? Non, c'est différent. C'est quoi? Si, c'est ça, je sais plus. Oui, c'est ça. 2-3 pièces par hit. Ah, tout de même. Mister Me, je l'ai pris. En vrai, est-ce qu'on prendrait pas Mister Me pour les Devil Deal? C'est Mister Me, ça, hein? Mister Me, c'est fort. Ça peut... ça peut... Ah mais y a pas un délire de ça ouvre le boss rush aussi malgré le fait que je sois à 33 minutes 45. Y a plein de délires avec Mister Me là. Même ça, cette pièce pour la pièce à côté, je pourrais l'exploiter. On va voir ça après. Ça aura de la chance. Oh, j'ai combien de chance de Devil Deal 72? Oh, je vole pas, c'est terrible. Oh, c'est terrible de pas voler ici. C'est terrible. Synchronisez-vous, bande de cons. Quoi, je l'ai pas eu? Les Moms Heal. Et deux secondes. Ça sert à rien de choper le coffre. Attends, il va choper le coffre ou il va l'ouvrir? Très bien. Bon. Bah oui, on va remplir la machine de dons. On débloquerait un 666. 666, alors ça c'est un choc. 7 de luck. Mais pas de Devil Deal visiblement. Que les 15h. Non mais il faut que je fasse une sieste. Le problème c'est que je suis pas bon pour les siestes moi. Moi c'est tout ou rien. Hein. Et le empereur. Quoi, il y avait... J'ai laissé le empereur dans la secret room. Bah je suis une merde. Merci à tous. Ah, le retour de la... chauve-souris folle. Mon tech kick, c'est... Mais je suis toujours à 4-20, j'ai pas gagné un de dégâts. Depuis le début de la run, quoi. M'étonne que je galère. Bon bah 100% de chance de Devil Deal au bout d'un moment, merci. On les a tous loupés quasiment. Je pourrais spammer les bombes hein, comme un gros dégueulasse. J'ai 32 bombes qui me donnent potentiellement du stuff. C'est fort. Et qui que ça a été nerf visiblement. En tout cas, là en brut sans synergie, j'ai l'impression. Ensuite on a que 4-20 de dégâts donc ceci explique cela. Hein. Faites pas tant nerfé que ça. Bof. Ah, le 1 plus 1, nous sommes riches. Oh, les Curse Room, hein, c'est plus que c'était. Hein. Mais non, mais je vole pas. Au secours. Très bien. Ouf. Pognon. Vie pue. Je crois que j'ai pris des dégâts avant aussi. Je crois que je suis dans la merde. Hmm.
Alors, bah zut, parce que ça c'est génial avec des larmes, hein, vu qu'il y a les larmes qui collent la morve. Ça donne quoi avec... C'est juste effet de poison. Une synergie. Oui, ça laisse des boogers. Oh, c'est énorme. Ça, c'est énorme, hein, pour de vrai. Oh là là, là, je viens de gagner en DPS. Incroyable. Parce que c'est ça le truc, si il perd en dégâts, mais que toutes les synergies de l'arme passent sur TechX, bon bah tout d'un coup ça devient fou en fait. Donc ça reste à voir. Ça va se savoir. La blank card, ah bah j'imagine que la blank card a été nerfée ou il s'est passé un truc, mais on n'est pas encore tombé sur la blank card. De toute façon, faut la débloquer, hein, il me semble. Hein. On la connaît cette pilule, non? Ma monnaie, ma monnaie. C'est vrai qu'on a de l'argent là. Hein. Ça serait bien de pouvoir le dépenser cet argent. Visa monnaie. Mais auto-free. Au secours! Très bien. Ça se passe. Je comprends pas pourquoi je les traumatise. Ok. Ah! Ça c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça c'est... Attendez, je le vole. Vide voyou. Oh la Kaira! Two of Diamonds, ça double mon argent. Two of Clubs, ça double mes bombes. Two of Clubs, ça double mes bombes. C'est ridicule. Ok. Très bien. Avance bien, hein. Bien. Alors. Oui, d'accord. Crête room, on a trouvé, oui. Ah voilà, la fat bat. Quoi? Mais oui, mais c'est pas moi, c'est eux. Non mais c'est trop chiant, putain, on comprend rien entre mon sang, le sang du bébé, la con là et... Ouais, super. Mais bouge! Enfin, je dois être mal en vrai là. J'étais si bien. Et maintenant tout est nul. Oh non, c'est la première Blue Mom. Le sale bail. Blue Mom avec les ennemis donc de la première extension du jeu. Wrath of the Lamb, là où je sais pas quoi. Non, c'est juste des ennemis annexes. C'est une variation. C'est normalement un peu plus dur. Et oui, bravo le veau, idiot. Maintenant, c'est vrai qu'on peut plus être près de quoi que ce soit, que tout est nul. Mais non, mais je vais vraiment perdre. J'ai encore la chance de... J'ai encore des Devil Deals, j'ai encore des Devil Deals. Possible, 100% toujours, mais je pense que... Je suis une merde? Oui. Je sais pas, je suis trop faible, c'est d'une faiblesse. Et les grid heads, c'est trop chiant, là.
mais c'est trop chiant, c'est trop chiant, tout est chiant. Voilà, j'aurais dû spammer comme ça, c'est parce que j'ai été trop, Ouais, j'y suis allé trop doucement. Surtout qu'il y a des boogers. Tiens, faut bourrer un peu là. Au secours. Que j'ai pris dans le HUC. Ah, ça va pas du tout, hein. Quoi? Mais c'est de la merde! Attendez. On va juste essayer de le voler pour toucher un bouquin. Le boss rush. Ah, c'est le négatif qui m'a donné des dégâts. Hey, c'est vrai que j'ai 6,23 de dégâts et que j'avais 4,20. Ah putain, mais j'avais vraiment beaucoup de cœur de. Ça va en fait. J'avais beaucoup de cœur en rab. Reste terriblement faible quand même. Bon, est-ce qu'il y a un rocher marqué là dans tout ce bordel? On va faire une sieste, hein. Ça fait quoi les boogers, c'est les crottes de nez? Ça fait du damage over time. Du dot, des ticks de dégâts. Assez fort normalement. Parfait ça. Ok. Bon, ça a des dégâts, ça fait plaisir. Le problème du tech kick, c'est que ça coupe leur laisse. Ok, easy, easy, easy. C'est 100%. Je suis une merde! Pardon. Ah oui, le booger qui reste même quand il se TP en plus, tellement fort. C'est compliqué là quand même. Parce qu'on est censé. Là, on peut aller jusqu'au The Dark Room. Et mon stuff, il est faible, quoi. Mon tech X, pour l'instant, il me manque des synergies, il me manque des choses. Il pue la merde, là. C'est dur. Oh, une machine de dons. Oh, ça aurait été tellement bien. Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà? D'accord, il m'a donné une charge comme si j'avais une batterie. Une mini charge. Mais c'est un bro ! Totalement un bro ce mec. Il est électrocuté en fait. C'est pas un punk à chien. C'est juste un déglingo. La machine est chaude. Ah oui, j'ai 9 de luck en plus. Oh là là. Je ne réponds plus de rien.
Y a moyen d'avoir des pretty flies. Voilà, j'en ai déjà une. Ça serait cool d'avoir les trois mouches de protection. Deuxième, la deuxième est tombée. La troisième est là. Incroyable. Ah, 9 de luck, ça déconne 0 quand même. Hein. Très bien. Bon. Mais le build, il reste un peu claquos au sol. Ah, du coup, c'est marrant, c'est... J'ai cette micro-charge en plus, mais vu que j'ai, c'est pas la vraie batterie que j'ai, c'est la 9 volts. En fait, je suis une merde. Je peux pas obtenir plus que ça. Ah, je suis pas bien, hein. J'ai deux cœurs, je veux pas piffer les pilules à cause de ça. Something's wrong. 10 de luck. Ah. Oh, mais ça baisse mon shot speed. C'est parfait, les Easy Worm. Exactement ce dont j'avais besoin. Oh là, et tout d'un coup, mon tech X il devient bien plus fort. Ok. Ah, oh, c'est beaucoup mieux. Oh, doux Jésus. Je crois que j'hésite à claquer de la bombe à l'infini parce que peut-être que sur mes 75 bombes, il y a moyen de dropper à. Mais c'est dépendant de la luck, non? Alors c'est pas quasiment garanti qu'à chaque fois que je vais faire une bombe, il va y avoir un truc qui va pop. Je me demande juste si je peux avoir des cœurs bleus quoi. C'est ça qui me rendrait vraiment heureux. Merci. Merci à tous. Oh, je suis pas bien. Ah pas du tout. Y'a pas un rocher marqué là ? Ah, c'est une catastrophe. Mais c'est trop faible! Oh là là, mon stuff est trop faible quoi! Putain, mais TechX trop faible, c'est une folie! Non, ouais, clairement ça. Ah bah ça drop plus rien. Super. Ah, des bombes et des clés, j'en ai, hein. De l'argent aussi, mais pas de cœur bleu. C'est compliqué. C'est voué à l'échec, cette merde, hein. Je veux pas en dropper des cœurs bleus, là, les bombes à l'infini. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon, on s'en fout. Go. Avec les boogers, ça va le faire, ça va le faire. Faut mourir avant le vomi.
Alors on peut aller battre Sphère Isaac ou bah on a le négatif, on tente le... Mais j'y crois pas une seule seconde. Il me faut des cœurs bleus que je n'ai pas. Isaac en soi, j'ai trois mouches. Mais j'assume. Hein. Oh, le méga fatigue là direct pour commencer. Oh là là, mais les dégâts sont là d'un coup. Bon, des cœurs bleus là. Oh, mais si j'avais un Dark Bomb, je me mettrais tellement bien. Pas des cœurs noirs dans les crânes là, avec 42 de luck là. Mais ça me fait mal. Oh, si seulement j'avais une carte de vol, n'importe quoi. J'aime bien les faire les coffres dorés là. Les cricket sale. Mais oui, le push de bombe. C'est vrai que je suis spécialiste. Un vétéran. Hein. Double shot de temps en temps. Au secours! Ça n'a jamais un cœur bleu, quoi. J'ai mal. J'ai mal. Oh ouais. Cœur éternel. Ça fait une protection, le cœur éternel, hein, donc... En vrai, je suis un troller, j'aurais dû le prendre après le boss. Quoi que non, parce que je suis tellement dans la merde. 11 de luck. Putain, mais c'était une secret. Ça m'a emmené à la super secret.
c'est juste que j'ai pas ouvert autour. Je vais péter une durite. Hey, tu me lâches un petit cœur noir là? Ah bah non, le pendu c'est quand je stressais pour les machins, mais je les ai eu. Ah si, on peut tenter un truc. Avec le pendu, on peut faire la Curse Room. Hey, mais je me boufferais mon cœur éternel au retour, j'aurais dans le fion. Peut-être un sacrifice acceptable. Hein. C'est vrai que les cœurs sont toutes nulles depuis le début, mais bon. Quoique c'est pas vraiment acceptable parce que je cherche plus de DPS là. Enfin, je prendrais tout le temps volontiers du DPS, mais en réalité c'est de la vie que je cherche. C'est ça le plus important. Après le boss, ouais peut-être. Et encore. J'ai des bons pour avoir des cartes, c'est vrai, c'est rare. Hein. Quelle ambiance. Ah d'accord, c'était bien la secrète. La super secrète elle est ailleurs. J'allais la chercher quand même. Ah du coup j'y vais alors. C'est chiant. Enfin là j'ai 3 cœurs rouges. Si je prends ça j'ai 9 cœurs rouges. Enfin j'ai 9 vies mais je repars un cœur rouge quoi. Ensuite il y a un monde où je trouve Guppies beau dans le Dark Room mais ça fait beaucoup de 6 quoi. On sait qu'il est là. On va voir. On va voir comment se passe Satan déjà. Original. C'est un Lucky Coin ? Toujours plus. On peut pas sortir de chez Satan. Ah oui, c'est maintenant ou jamais. Prends le bouquin. Oui, c'est vrai que j'aurais plus rien à voler. Ensuite, le bouquin de mort. History, Mi ou Mega Satan. Ah oui, c'est vrai, non? Ouais, mais je sais pas si... Non, mais c'est bon. Je peux quand même avoir Joker. Bon, bref. Pas le toucher, idiot. Si on peut sortir. Pas de lire le chat, moi. Hein.
Allez. Ah mais merde. Non, pas tout de suite. Ah mais du coup c'est des Devil Deal en Curse of the Blind, mais quelle baiserie! C'est atroce ça. Insupportable. Je regarde juste. Sur un message. Non, c'est affreux ce qui nous arrive sérieusement là. Est-ce que c'est bien légal? J'ai cru entendre du bruit donc je vérifie quand même. Je sais qu'il y a des beaux parents qui doivent passer pour récupérer des trucs. Bah c'est terrible. Et finalement, oui, si j'avais pensé en termes de Devil Deals, peut-être que prendre le Dead Cat, c'était ok. Vol avec le Mr. Me. Ah mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Calmons-nous, calmons-nous. On va pouvoir se gaver. Il suffit juste de pas crever. Darkroom. Alors, c'est ce genre de salle, c'est cool. Quand il y a de la place, on est plutôt content. Calmons-nous, gardons notre calme. Ah mais je trouve quand même des trucs qui sont pas des Devil Deal. Vasculitis clogged enemies. On connaît pas ça, les ennemis bouchés là. Ok, ça pue mais comme dit, si c'est une grande salle, ça va. Faut juste pas que tout soit rempli de caca, mais finalement voilà, en les manipulant, c'est free. Ah mais surtout avec 12 de luck, j'ai de grandes chances qu'il y ait des coffres à chaque salle. On va prendre un 2, hein. Ocular Rift Stare into the Abyss. C'est quoi, il y a des larmes void? Je sais pas. Bon, on récupère des trucs. Oh là là! Oui, c'est ça! Au secours! Ah, Tech Zero, deux objets technologie, du coup il y a synergie ou il y a que dalle? Hein? Ah. Oula! Deux secondes. Oh là là, mais c'est un délire les vortex là! Aïe! Par contre, faut que je fasse gaffe parce que je drop pas de cœur. Enfin, s'il y en a un là. La France a peur. Faut pas que j'oublie que j'ai des bombes qui loot. Je pense que je peux trouver assez facilement du cœur rouge dans mes bombes, non? Ou pas? La vie pue. Les batteries, j'en ai pas vu, hein. Ok, ça c'est... Oh, oh oui, dans le vortex. Attends, mais ces larmes-là, elles m'aident ou c'est des larmes ennemies? Parce que ça me fait un coup de flip énorme, mais on est bien d'accord que finalement, ça peut être que mes larmes. Laisse deux secondes, j'entends du bruit. J'entends du bruit. Je mets pause sur la VOD. Oh, YouTube, le chat faisait nimp. Ok. Alors, du finger et de la mouche. Vous savez quoi? Et si on y arrivait? Oui, attendez, j'ai ma charge surtout de machin, donc on va rechercher un Devil Deal à deux. Ah, Badon, ça serait beau, hein. Mais pour l'instant, il a jamais à... Oh! Il a jamais à... Mais c'est à cause de tous les SFX chelous qu'il y a dans le jeu. Pour l'instant, il a jamais fait de la merde, le... C'est marrant, je les contrôle pas, mais elles sont peut-être au Ming.
Le Mister Me s'est pas gouré une seule fois. Ça sert à rien pour être signalé. Et ouais, donc c'est bien par rapport à la luck que ça se passe. Ah non, par contre, c'est vraiment un délire du truc. Ils explosent tous en larmes. J'ai pas l'impression que ce soit particulièrement friendly. Oh, le sale bail. Oh, le sale. Enfin, si, ça doit être friendly. J'en suis sûr, oui, c'est friendly en fait. C'est à moi. C'est à moi! Petit Loki. Bon, c'est un peu nul, mais c'est pas grave. On va peut-être build des synergies. Oui, c'est bien pour moi. C'est une synergie copain. C'est ça le clogged enemies. Ils sont bouchés, ils ont plein de larmes. J'ai pas besoin du son, et puis j'entends des bruits dehors, en travaux, je sais pas quoi, faut que je fasse gaffe. Si, y a les beaux-parents qui débarquent pour les affaires de baby. Ouais, il suffisait d'en parler. Et ils se loupent. C'est con parce que là, si j'obtiens des points de vie, mes gars Satan, je le fais, hein. Mais j'ai pas droppé un cœur bleu depuis 3 étages. Feels bad, man. Cœur rouge là aussi. Moyen de moyenner ou... Comment ça se passe? Ah merde. Voilà, 12 000 Dark One. C'est ambiance. Ok, la batterie. Mon doigt accusateur. Abaddon, hein. Petit cœur noir, let's go, hein. Dark Bum, oui, mais je drop même plus de cœur rouge. Avec mes bombes. Oui, avec mes bombes, mais mes bombes, j'en ai utilisé 30, on n'a pas vu un cœur rouge, hein. J'ai un cœur noir avec Missing Page 2. Oh, le Blastocyst. Faut juste bien l'accueillir, voilà, on l'a accueilli comme il se doit. On lui a fait honneur. Bon, et le dernier, c'était quoi? On drop 0 cœur. Évidemment, avant le boss, je vais utiliser mes 50 bombes. Hein. Quel enfer! Du coup, je perds mon cœur noir! Non, pas comme ça, pas contre ces ennemis nuls. Ça droppera jamais un cœur, hein. Ever. Ah oui, c'est le truc qui me rend invincible, toutes les X-Ticks, ouais, c'est pas fou. Ok, les deux deaths. Oh là là, en plus avec le feu d'artifice de mon truc, là, ça fait peur. C'est le seul problème de mon build, je trouve, il n'y a pas de cœur. Il y a des cœurs nulle part.
plus ça, on est d'accord que c'est le truc de mort où il fallait faire 12 000 trucs au début pour que ça marche. Enfin, j'ai presque envie de taper là-dedans, mais... Oh putain, la moule. Ça va être grande chance d'être un drame, hein, quand même. C'est quand même hallucinant, c'est... Y'a que grâce à ça que j'ai eu des cœurs bleus. Oh l'enfer. Oh le vortex, le vortex, le vortex. Putain, on est tellement puissant, il nous manque juste de la vie. Genre le two-shot, il va être dans la synergie. Hein. Ça a l'air de tout prendre. Hein. Là, le tech X, il est monstrueux maintenant. Surtout en plus avec notre trinket qui nous permet d'avoir de... un shot speed bien lent pour que ce soit bien assassin. Vivement le seuil milk. Curse of the Blind là. Un plaisir. Hein. Je pense que... Ah quoi que je dis, je pense que... j'allais dire, je pense que The Lem, bon, ça se fait. Mais il a peut-être changé. Il est peut-être plus différent. Donc, selon qu'il soit plus fort ou l'élément de surprise, ça peut ne pas passer. Enfin! Énorme. C'est déjà refait. Ah oui, j'ai déjà refait, je l'ai battu, c'est vrai! Oui, donc non, pas de grosse nouveauté. Un pet de conge. Oh là là. Drôle d'idée. Jusqu'à ce qu'il y ait un cœur. 3. 4. En plus, ça me permet de faire une corée avec mon doigt. Je pense qu'il n'y a jamais de cœur. Hein. Deux de pique. Mais on s'en fout. Deux de pique, c'est pour les clés. Je m'en fous. Ok. J'ai eu des cœurs à l'étage d'avant. Ouais, ben. Peut-être pas avec mes bombes, quoi. Ok. Par balls of steel avec ma slug. C'est bon. Bon, allez, ça m'a saoulé. Oh, les dégâts. Enfin, j'ai envie, hein. Let's go, hein. Je me suis fait surprendre et il l'a bouffé. Oh non. Oh l'angoisse. Avec 12 de luck quoi. Changer de salle pour que... fasse un truc. Oh non mais putain, j'avais enfin eu un cœur rouge quoi. Il me le subtilise pour rien me filer en plus. Je suis au fond. Mais ça y est, j'ai plus de bombes, c'est la fin. Énorme. J'ai... vraiment... Oh oui!
Franchement, à part si je me fais surprendre par le vomi, je pense qu'on le lave. Voilà, je me suis bien jinxé là. Ou s'il est une attaque latérale. Parce que là, je vais tenter d'aller directement sur le côté. Donc là, on doit se taper les sbires. Oh, le vortex. Ouf. Oh, c'est tellement fort le vortex avec un DPS pareil. Les anges. Par contre, ces deux dégâts-là, j'aurais jamais dû les prendre. Oh, tout va dans le vortex. Insane. Ça dégage. Ah oui, c'est vrai qu'on aurait été bien désolé si on avait pris le Necronomicon, hein, finalement. Merci Shamsei pour le prime, merci Asuramaru. Une fois de plus, oui, 10 subs offerts, car il y a eu victoire, en effet. Chose promis, chose due, merci. Merci Seirin Zobdak pour le prime. Maxime 54-57. Aspion Benic 29, Crystalia Doc Doskassan, merci encore. Merci pour les resubs, VG Thai, Tora OCD, Mougoul. Ah, Dame Mougoul. Aussi Rider, Clark Kent, merci pour le siècle. Assisteria LSF, KK 32-32-32. Raffensdorfer, Major Couscous, Lamatsu, Eli Farae, pour les 65 ans, Pierre, Dreadum, Latimus, Tartino et bien d'autres, merci. Alright. The Destroyer. Les challenges. Ah, Back Sword, c'est le challenge où on commence au chest, c'est ça? Ok. Belle run, hein. Regardez qu'un. Il en a fait des choses. Oh là là, il y a beaucoup plus de trucs sur le post-it. Il y a de la place pour beaucoup plus de trucs, j'ai l'impression. Des bisous YouTube. Énorme. On l'a fait. À bientôt.